On va faire quelque chose. Tu lèves simplement ta main droite. Voilà. Tu te tournes du côté de ton voisin. Ok? Ok. Dis-lui, voisin, prépare-toi. Voisin, prépare-toi. Ah, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Voisin, prépare-toi. Ok. Attention, est-ce qu'on est prêt? Je vais compter jusqu'à 3 et puis on va démarrer. 1. Ah, le son de la basse, tu dois nous faire un petit son de suspense là. 2. Attention. Voilà, ça commence avec nous. 3. Tape ta main droite à ton ami, mon frère. Il est vivant. Ta main droite à ton ami, ma soeur. Il est vivant. Tape ta main droite à ton ami, mon frère. Il est vivant. Ta main droite à ton ami, ma soeur. Il est vivant. Oh, toi aussi, tape bien. Sido. Il est vivant. Wouh! Alléluia! Il est vivant. Attention. Il est vivant. Tape ta main droite à ton ami, mon frère. Il est vivant. Tape ta main droite à ton ami, ma soeur. Il est vivant. Tape ta main droite à ton ami, mon frère. Il est vivant. Tape ta main droite à ton ami. Il est vivant. Tape ta main droite à ton ami, mon frère. Il est vivant. Encore, ta main droite, ta main droite, ta main droite, ta main droite, ta main droite. Il est vivant. Encore, ta main droite, ta main droite, ta main droite, ta main droite, ta main droite. Il est vivant. Attention. Il est vivant. 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 Oh, il est vivant. 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 Réponds ça. Tape ta main droite à ton ami, mon frère. Il est vivant. Tape ta main droite à ton ami, ma soeur. Il est vivant. Tape ta main droite à ton ami, mon frère. Il est vivant. Tape ta main droite à ton ami, ma soeur. Oh, il est vivant. Oh. Il est vivant. Il est vivant. Regardez les hommes. Et admirable, la splendeur envahit tout l'univers, inspirant la louange. Que ces hommes se rendent à l'honneur à notre Dieu. Et admirable, la splendeur envahit tout Vivons la louange.
chanson. Ta splendeur envahit tout l'univers. Son monde adore notre Dieu et invivable. Ta splendeur envahit tout l'univers. Esprit en la louange. Que tes œuvres Alléluia, 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 alléluia. Oh 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 oh, célébrons, 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 célébrons. Poussez des cris de joie. Alléluia, 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 célébrons, célébrons, célébrons le Seigneur, acclamons, acclamons, acclamons l'Éternel, oui dansons, dansons l'Éternel, oui dansons pour l'Éternel, oui dansons pour l'Éternel. Est-ce qu'il y a encore plus ici? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Élévons, élévons, élévons. Proclamons, célébrons, célébrons, célébrons. Son Saint Nom, élévons, élévons, élévons. Son Saint Nom, élévons, élévons, élévons. Son Saint Nom. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? La grande envahit tout l'univers. Inspirant la gloire. Que tes œuvres. Splendeur envahit tout l'univers, inspirant la louange. Que tes œuvres sont grandes, Adonai notre Dieu. Et admirable, ta splendeur envahit tout l'univers, inspirant la louange. C'est la fête de lui, hein. C'est la fête du Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Parce que quand il est présent, la joie déborde. Hallelujah. La joie déborde parce qu'on voit le miracle. Yes. Alléluia. Yes. Et je viens vraiment ce matin bénir Dieu pour la vie d'un homme.
Je viens vraiment bénir Dieu pour la vie d'un homme qui est un don au milieu de nous. Amen. Dieu m'a fait la grâce de marcher derrière lui. Et si je suis devant vous ce matin, c'est parce que j'opère sous son manteau. Amen. Alléluia. Et c'est un père pour la multitude. Et depuis que je le connais, les fois il m'a permis de l'accompagner dans certains événements, nul n'a été au contact de lui sans pour autant être transformé. Amen. C'est quelqu'un qui suscite encore des vocations au milieu du corps de Christ aujourd'hui. Amen. C'est une voix autorisée pour notre nation. C'est une bouche qui proclame les oracles de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu ne l'utilise pas seulement pour notre pays, mais il l'étend, il élargit ses limites au-delà des frontières du Gabon. Et je pense que de tels hommes, on a besoin de les célébrer. Ce n'est pas le culte de la personnalité, mais c'est le don de Dieu que nous célébrons dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimés, et je sais que vous comme moi, nous l'aimons. Amen. Et parce que nous l'aimons, je voudrais qu'avec des cris de joie, nous puissions célébrer le don de Dieu dans sa vie. Alors que j'invite sur cet autel le prophète de Dieu, Xavier Richard. Have a body for Jesus. Et parce que je crois que ce qu'il va dire va nous bénir. Et parce que tu ne veux pas garder cette bénédiction pour toi seul, prends ton téléphone alors que le lien est déjà disponible. Partage. Prends juste quelques secondes pour partager avec des personnes que tu veux voir comme toi bénies au travers de la parole que nous allons recevoir. Gloire à Dieu. Alors, tu vas faire le partage comme il a été indiqué sur le plan. Prends la peine de le faire. C'est important toujours de partager beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça leur fait. En partageant, nous servons le Seigneur. Alléluia. Cabo.
Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est un grand Dieu. Regarde quelqu'un, dis-lui, je crois que le don de Dieu est capable de t'amener au sommet. Regarde quelqu'un d'autre, lui, dis-lui que le don de Dieu est capable de t'amener au sommet. Et ce matin, je vais te parler du véritable don de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous sommes au jour de la Pentecôte. Et c'est un jour où nous célébrons le véritable don de Dieu. Le Saint-Esprit, quand Dieu a décidé de nous faire du bien, il a envoyé le Saint-Esprit. Et je voudrais que nous acclamions Jésus-Christ de Nazareth. Parce que son œuvre a permis. Non, acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? L'œuvre de Jésus nous a donné. La grâce du don. Alléluia. En fait, la Pâque parle de la mort, mais la Pentecôte célèbre la vie. Alléluia. Donc vous n'avez pas eu tort d'être en liesse ce matin, c'est normal. Alléluia. Gloire à Dieu. Madame Condi, tu vas nous dire... Est-ce qu'on peut danser, chanter, louer le Seigneur ce matin? Gloire à Dieu. Vous devrez, dans des temps et des moments comme ça, prophétiquement célébrer le Seigneur. Yes. Danser. C'est ça. Je menace celui qui menace votre joie au nom de Jésus. Amen. Car la Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Ah, est-ce qu'on peut battre des mains? Est-ce qu'on peut commencer à pousser des cris de joie? La danse de la tête, la danse de la tête. Et ah. Yeah.
Gloire à Dieu. Dites avec moi, lève ta main, dis Seigneur. En ce jour de Pentecôte, nous venons dans ta présence célébrer la vie. Tu as donné ton Fils à la croix et la mort de ton Fils nous a permis de venir à la vie. Reçois nos acclamations, notre reconnaissance dans le précieux nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris? Gloire à Dieu. Asseyons-nous. C'est merveilleux d'être enfant de Dieu et encore d'être dans sa présence et dans sa maison. Si vous n'avez pas la joie d'être dans la maison du Seigneur, je vous rappelle d'aller consulter David et qui pouvait dire un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et il y a de la joie quand on me dit allons dans la maison. Alléluia. Nous parlons depuis premier service de la Pentecôte. Dites avec moi Pentecôte. Regarde ton frère, dis-lui bonne fête de Pentecôte. Non. Tu peux pas le faire comme si. Regarde quelqu'un, dis-lui bonne fête de Pentecôte. Alors souhaite au moins à 10 personnes bonne fête de Pentecôte. Bénissez-vous les uns les autres. Bonne fête de Pentecôte. La Pentecôte parle de la naissance de l'Église. C'est mon histoire. Évitez les gens qui sont assis. Saluez ceux qui sont debout, qui croient à ce que vous faites. Ne saluez pas ceux qui sont assis, hein. Faut pas communiquer la grâce à ceux qui sont assis, ils n'en ont pas besoin. Mais communiquez votre grâce à ceux qui sont proactifs. Nous devrons réaliser que c'est une grande fête. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est midi dans un peu plus de 10 minutes. Asseyons-nous. En fait, c'est quoi la Pentecôte? Alléluia. C'est un événement qui célèbre la vie. La Pentecôte est une fête qui intervient 50 jours, donc le 7e dimanche après la mort de Christ. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec une telle exactitude. La Pâque était la mort de l'agneau. Et ceci s'est accompli en Christ Jésus. Il est mort. Le 3e jour, il est revenu à la vie. Et 40 jours après la résurrection du Seigneur,
Alors, il a connu ce qu'on appelle l'ascension. Il est monté au ciel. Et quand Jésus est monté au ciel, avant, il a pris soin de préparer les apôtres, les disciples, en disant, vous ne quitterez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez le don que Dieu avait promis. Mes amis, la Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Le Seigneur savait qu'au moment où Jésus devrait quitter la terre et que les disciples restaient, il savait qu'il fallait leur accorder quelque chose de plus important, de plus significatif. Il ne pouvait pas leur donner autre chose que sa propre présence par l'Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous devrez savoir que Dieu ne veut pas vous laisser orphelins. Il ne veut pas vous laisser vulnérables dans ce monde dont il est lui-même conscient de comment les choses vont avec une telle vitesse. Nous voulons vous dire que ce que le Seigneur a fait, ce qu'on appelle en théologie l'histoire du salut, notre histoire tire ses racines depuis l'Ancien Testament. Lorsque Moïse a immolé la Pâque, ils ont marché dans le désert. Ils ont marché dans le désert. Et quand ils arrivent dans le désert, Dieu va leur donner le don de la loi. Et le don de la loi, ici, venait simplement inaugurer, en fait, un nouveau peuple qui devrait être attaché à Dieu, mais dont la législation était une législation d'origine céleste. Donc, le ciel va organiser un peuple. Et il va souhaiter que ce soit un peuple saint, une nation sainte, un peuple de sacrificateurs pour qu'il soit à jamais au service de Dieu. Mais entre la mort ou encore l'immolation de l'agneau mosaïque ou encore de l'agneau pascal et la descente de l'Esprit de Dieu au mont Sinaï, les spécialistes disent que cet intervalle-là a duré à peu près, en fait, 50 jours. Et Dieu va visiter le peuple de façon extraordinaire. Mais vraiment, le peuple lui-même va chercher l'intermédiaire et établit Moïse comme leur intermédiaire entre Dieu et le peuple. Parce que le spectacle fut effroyable. Il n'avait plus eu besoin de revoir ça. Dieu est descendu avec des éclairs. Le feu est descendu sur la montagne. Le mont Sinaï, c'était un spectacle terrifiant. Il y avait des tonnerres. C'était terrible. C'était même pas vraiment agréable à voir. Et c'est Dieu qui parlait dans ce brouhaha. Dieu va parler, va dire. Et le peuple va avoir peur. Il dit, Moïse, non, ça, on ne peut plus supporter ça. Donc, toi, reste à entendre à notre place. Quand Dieu va te parler, viens nous dire. Mais le but de Dieu, vous devrez savoir encore une fois de plus, était d'avoir un peuple. Et il ne pouvait pas ne pas avoir un peuple sans lui accorder la loi qui devrait légiférer en fait tout comportement. Donc, il fallait le peuple. Et puis, ce peuple devrait marcher selon la loi de Dieu. Et la loi de Dieu donné à Moïse pour le peuple était l'expression de sa volonté morale. Donc, le peuple devrait connaître la volonté de Dieu à partir de cette loi. Mais toutes ces choses-là, vous devrez savoir que le peuple juif, parmi les fêtes, il y a eu 7 fêtes, du moins dans la Bible. Suivez-moi très bien. 7 fêtes dans la Bible. Et vous devrez donc savoir qu'en réalité, la Pentecôte est célébrée d'abord l'inauguration de la Pentecôte ou encore la Pentecôte fait référence
au jubilé. Le principe de Dieu dans le jubilé, c'est de libérer le peuple. Ça veut dire que l'esclave ne devrait plus être esclave. Ce qui était exproprié, ce qui avait perdu leur terre, leurs biens, et qui s'était finalement rendu, esclave et devenu pauvre, ça devrait durer pendant au moins 50 ans. Pourquoi? Parce que le but de Dieu n'était pas de condamner une génération qui devrait venir. Donc, 50 ans après, alors la 49e année, on devrait sonner la trompette pour rendre à nouveau le peuple digne. Et donc, ceux qui devenaient des esclaves des autres, les propriétaires de ces esclaves-là devraient faire ce qu'on appelle, en fait, relâcher. On a pris ta terre, on te rend ta terre. On a pris tes biens, tu es tombé. Le jour du jubilé, on te rend tout ce que tu as perdu. À moins que toi-même, tu refuses parce que tu estimes que ton maître te traite bien et que tu demeures dans la vie de l'esclave. Donc, en ce moment-là, le propriétaire, c'est-à-dire que, le maître de l'esclave prenait cet esclave qui ne voulait plus s'affranchir de l'esclavage et l'amenait aux portes, l'endroit où les anciens se réunissaient pour décider de la vie de la ville ou de la cité, pour dire que cet esclave, quoique la trompette ait été sonnée pour rendre sa liberté, il trouve mieux de rester esclave parce que je le traite bien. Et dans ce cas, il faut le marquer. Il faut le marquer à vie par le moyen d'un poinçon. Un poinçon était un instrument d'acier qui permettait de percer l'oreille de l'esclave pour que tous sachent que ce n'est pas en réalité le maître qui voulait absolument que l'esclave demeure dans sa condition d'esclave, mais c'est l'esclave lui-même volontairement qui a estimé que je n'ai pas besoin de m'affranchir, je reste esclave à vie. Et là, lorsque il était marqué, eh bien, dans son acte de soumission et d'allégeance, non seulement lui, mais aussi ses enfants devenaient esclaves par le choix de leur père. Vous comprenez que la Pentecôte, il faut comprendre le sens. La Pentecôte vient simplement, pour la Pentecôte chrétienne, rappeler qu'il y a quelqu'un qui est mort pour que tu ne sois plus esclave. Alléluia. Je comprends même par votre façon de répondre et de dire Amen, que nous ne sommes pas peut-être au diapason, nous ne comprenons pas la même chose. L'esclave qui refusait, il demeurait dans la maison de son maître et il continuait sa vie. Ça veut dire qu'il avait une femme et quand il faisait des enfants qui naissaient dans cette législation-là, les enfants étaient condamnés à l'esclavage. En effet, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous expliquer ce matin que peut-être la forme a changé. Mais il y a encore des esclaves qui vivent à fond l'esclavage. J'ai la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de garder cette maladie. Vous n'êtes pas obligé de garder cette pauvreté. Vous n'êtes pas obligé de garder ces infirmités. Votre condition d'esclavage est terminée. Ce qui montrait que quelqu'un était l'esclave de quelqu'un, c'est le joug qu'on mettait sur lui. Or, Jésus a brisé par l'onction le joug qui vous condamnait dans les temps et les saisons d'esclavage. Je suis en train de me mettre dans une condition pour vous permettre de comprendre. Je n'ai pas cessé de recevoir sous forme d'électricité l'onction de Dieu qui m'atteste qu'il y a des jougs qui vont tomber ce matin. Vous n'êtes pas
obligé de rester dans la même situation. C'est terminé. Jésus a payé le prix. L'esclavage est terminé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, on fixait une échéance. L'échéance qui était fixée était de 50 jours. Mais le jour dans la Bible peut être une année. Un jour peut être une année. Donc l'échéance peut être de 50 ans. Ça veut dire que l'expiation de toute une génération, mesdames et messieurs, nous devrons comprendre, parce que nous allons déclarer ce matin par la puissance de Dieu, après 50 ans d'indépendance, nous devrons effacer les effets de la colonisation. Oh, 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 vous n'avez pas compris. Je parle au Gabon ce matin. Je parle au Gabonais ce matin. Et à ceux qui vivent en Afrique, et en particulier dans ce pays, que votre condition d'esclave est terminée. Je ne sais pas ce qui vous a servi, mais je suis venu juste déclarer que c'est terminé. Après cela, ta famille ne peut plus être dans la même condition. Oh, oh, est-ce que je prêche bien ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne peux plus rester dans la même condition. Il y a une chose que vous devrez savoir, c'est si et seulement si l'esclave refuse de changer de condition. C'est la seule condition. Et là, tu seras marqué à vie. Est-ce que maintenant? Alléluia. Oh, j'entends un chant. Oui, ça m'intéresse. Que Dieu vous regarde ce matin. Tu repartiras avec la clé de la libération de ta famille. Nous soumettons des choses à la volonté de Dieu. Une chose qui a demeuré longtemps comme étant une fondation, aujourd'hui tu es libre de déclarer que tu ne dépends pas de ces choses qu'ont bâti tes ancêtres, qu'ont bâti des anciens. Tu dépends de ce que Dieu dit. Et donc, comment ça se passait? Le jour du jubilé, ben en fait, c'était une forme de Pentecôte. Pentecôte veut simplement dire 50 jours. C'est aussi simple. Ça veut simplement dire 50 jours. Et donc, quand le 49e jour ou la 49e année. Pentecôte veut dire 50. Quand la 49e année arrivait, alors il y a une chose qui était claire. C'est que l'homme qui a porté le joug savait que dès que la trompette est sonnée, le joug était enlevé. L'homme qui était esclave retrouvait sa liberté. Il devenait un homme libre. Et cet homme-là retrouvait l'honneur qu'il avait perdu. 2, la dignité qu'il n'avait plus. 3, la joie de la liberté. Et le regard qui était posé sur lui changeait. S'il était pauvre, il retrouvait ses propriétés perdues à cause des conditions d'esclaves. Et il recevait maintenant les ordres directement de Dieu. Et cet homme pouvait partir de ce stade,
Prenons le cas d'une personne qui a reçu l'héritage et qui, par sa gestion, sa façon de faire, et puis il a été spolié, injustement ou justement. Et puis on lui dit, c'est terminé. Non seulement c'est terminé, on te remet ta terre. Mes amis, depuis 50 ans, imaginez-vous les intérêts que cette terre lui ont procuré. Je suis venu dire, quand Dieu restaure, tu ne peux plus être au même niveau de My God. My God. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Dieu parle, il parle du don et de la promesse que Dieu avait faite. Nous allons voir cette promesse dans son impact. Un, au niveau national. Deux, au niveau familial. Trois, au niveau individuel. Prenons des textes que nous allons lire. Premier texte, Joël chapitre 1, verset 1 à 4. Ensuite, Joël chapitre 2. Nous allons lire. Et après, nous allons lire également Joël chapitre 3. Et ensuite, nous allons évoluer dans notre lecture. Je ne serai pas long. Je veux introduire demain, nous aurons tout le temps de se mouvoir dans sa présence. Dans ce que Dieu a promis, lorsque la Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Pourquoi on associe la liberté à l'Esprit de Dieu? Ça veut dire que si le Saint-Esprit descend sur toi, la Bible dit que l'onction brise le joug. Le joug détermine que la personne est encore sous condition d'esclavage. On peut être esclave de la malédiction, de l'envoûtement, de la manipulation humaine, de la maladie, de la pauvreté, des choses qui pèsent sur vous et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Laissez-moi vous dire, l'Esprit va briser cela. Un esclave, sa joie n'est pas continuelle. C'est au moment où il veut faire quelque chose qu'on lui dit, laisse, va d'abord faire autre chose. Il y a des gens comme ça. C'est au moment où vous pensez que les choses sérieuses commencent, que autre chose vous amène d'autre part. Ça, c'est terminé. Alléluia. Il y a quelqu'un, c'est terminé. C'est pourquoi quand vous avez la grâce d'être visité par le Saint-Esprit, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est pour votre propre intérêt. Joël chapitre 1, verset, à partir du verset 1. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pethuel. Il dit, écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Ça ressemble à un pays que je connais. Il dit, racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Qu'est-ce qu'ils doivent raconter? Ils disent, c'est qu'a laissé le Gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le Gélec, le Hazi l'a dévoré. Je n'ai pas ni peur, ni honte de penser que cette armée-là, si nous pouvons la prendre dans la moindre mesure, je la compare avec des actions dirigées contre la prospérité de ce pays-là. Au point qu'il ne reste plus rien pour le peuple. Mais c'est une armée qui est venue dans le but de pouvoir tous polluer. Le verset 5.
Il dit, réveillez-vous, ivrogne et pleurez, vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mot vous est enlevé de la bouche. Ça dit que ce n'est même pas du plat, mais de la bouche. Le verset 6. Car un peuple est venu fendre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne, pour dévorer tout à son passage. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Alléluia. Il dit, lamente-toi comme la vierge qui se réveille d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Mes amis, il y a un temps, quand on voit un peu comment le pays est aujourd'hui, quand on voit un peu la souffrance du peuple, quand on voit que même quand on peut finir les études, on n'espère même pas trouver du travail, nous ne pouvons pas rester sans invoquer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que, en fait, c'est une situation de lamentation qui amène au deuil. Il dit, offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Ça veut dire que quand les gens dans la maison de l'Éternel ne peuvent même plus célébrer Dieu avec les offrandes, c'est que c'est une catastrophe. Il dit que ça a disparu dans la maison de l'Éternel. Il dit, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont comme dans le deuil. Ils sont dans le deuil. Verset 10. Il dit, les champs sont ravagés. La terre est attristée, car les blés sont détruits. Le mou est tari. L'huile est desséchée. Il dit, les laboureurs sont consternés. J'explique cela. Vous devrez d'abord comprendre, mesdames et messieurs, la Pentecôte, c'est d'abord la fête pour la récolte. C'est la fête où on vient récolter. Et ce matin, tu vas récolter ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Il dit les laboureurs, comme Jacques dit, attendent avec une espérance les durs labeurs. Parce que quand la semence est jetée au sol, le laboureur qui a travaillé attend la pluie de l'arrière et de la première saison. Vous comprenez les images? Il attend quoi? La pluie de l'arrière et de la première saison. Ça veut dire que la pluie est l'image du don de Dieu. Alléluia. La pluie apporte la résurrection des semences dans la terre. Nous allons en venir. Il dit, les laboureurs sont consternés parce qu'ils attendent, mais rien ne vient. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge parce que la moisson des champs est perdue. Vous savez qu'est-ce que c'est que la moisson? C'est quoi la moisson? Hein? C'est quoi la moisson? Toi qui es très intelligente là, c'est quoi la moisson? La moisson, c'est la récolte. Même ça aussi, quand même. Ça, vous devrez savoir. La moisson, c'est... Il dit la moisson est perdue. Ça dit quand la moisson est perdue, c'est une désolation, c'est une consternation. C'est qu'on a travaillé en vain. On a semé aussi en vain. N'oubliez pas que nous sommes le champ de l'Éternel. Verset 12, et le reste, vous allez lire chez vous. Il dit, la vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris, fanés. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Quelle désolation. Et la suite, c'est que la Bible nous amène
à une convocation solennelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 13? Peut-être se limiter au verset 13. Il dit, sacrificateur, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteur de l'autel. Il dit pourquoi? Il dit, venez passer la nuit revêtu des sacs, serviteur de mon Dieu, car offrande et libation disparue de la maison de votre Dieu. Verset 14. Alors, dites avec moi, publiez un jeûne. Plus fort, publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez, allez. Ça veut dire quoi? Que quand vous voyez ces choses-là, vous devrez vous lamenter. Ça veut dire que vous devrez vous repentir. Dis avec moi, c'est repentir. Quand je vois souvent... Les gens citent Joël, mais ils ne voient pas d'abord que dans la citation de Joël, qu'il y a un problème d'abord à régler. Il y a une attitude. Verset 15, avant de passer au chapitre 2. Verset 15. Le verset 15. Oh, vous êtes où là? Oui? Verset 15. Bah, tu vas lire. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Oui. Bref. Alors, donc, vous comprenez que le plus important, après une telle attitude, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à son peuple de crier à lui, de se lamenter, et aux sacrificateurs et aux serviteurs de l'autel de pouvoir convoquer, en fait, une assemblée solennelle. Il dit de convoquer le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il faut se lamenter et chercher Dieu. Maintenant, nous allons prendre, s'il vous plaît, Joël 2. Joël chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset Joël 2. Nous allons lire deux premiers versets et ensuite, il dit « Sonnez de la trompette en Sion, c'est-à-dire l'église. Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Il dit, ce jour-là, en fait, c'est ce que Joël avait dit. Il dit, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore. Se répand sur les montagnes, voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'en a jamais eu, et qu'il n'en aura jamais dans la suite des âges. On va directement au verset 25. Et puis vous connaissez la suite, plus tard, dans le même chapitre, il va dire, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. C'est le même chapitre. Alléluia. Si vous voulez qu'on le lise, on peut le lire, il n'y a pas de problème. C'est dans le même chapitre 2 qu'il dit, plus tard, il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils, par la prophétiseront. Il dit, je vous remplacerai les années. Donc, je vous ai
Je vous enlève des détails. Je vous épargne des détails. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gelec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit d'abord, voici la catastrophe. Et ensuite, plus tard, il prend l'initiative de dire, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Or, le problème ici, le contexte est d'abord un contexte agricole. Ça veut dire que tout ce qui est symbole de prospérité et d'agriculture dans le pays se montre ici comme étant détruit. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Alléluia. Or, Dieu est en train de vouloir nous montrer que notre vie ressemble un peu à la vie un peu agricole. Où il y a la semence, où la pluie descend et la semence vient germer. Maintenant, ce que je voudrais quand même souligner à notre attention, c'est que quand même ici, la Bible dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu. La première chose, Dieu est conscient que la célébration passe aussi par la joie du peuple. Maintenant, Dieu dit que vous mangerez, mais vous n'avez pas mangé comme il faut. Il dit, vous mangerez, vous serez rassasiés, et puis vous célébrerez l'Éternel. Qu'est-ce que le diable fait? Il détruit, il appauvrit, il asservit. Au lieu de célébrer l'Éternel, on aura maintenant un peuple de plaintifs, de plaignards. Oh, on gémit. Mais Dieu, dans son plan, il sait. Il sait que mon peuple a faim. Il sait que mon peuple est pollué. Il sait que mon peuple manque de tout. Il n'y a pas, lui-même il dit, il n'y a plus de joie parce que le mot a été enlevé de votre bouche. Maintenant, il prend la résolution. Il dit, si quelqu'un fait entendre sa voix, s'il se repent de ses mauvaises voies, s'il porte le pays dans la prière, moi, l'Éternel, je viendrai restaurer ce pays. Et je donnerai, si c'est au Gabon, les années qu'on dévorait les sauterelles. Nous avons appris que les gens sont venus, sont partis, ils ont dévoré. Mais la richesse de Dieu est intarissable. Mesdames et messieurs, je suis venu vous dire, même en un clin d'œil, Dieu peut restaurer le Gabon. Est-ce que j'entends la voix qui peut dire amen très fort ce soir? Peu importe le niveau de la ruine dans une nation, la première chose que nous devrons chercher, c'est la descente du don de Dieu. L'Esprit vient, il corrige l'erreur. L'Esprit vient, il apporte la vie. Il peut amener une nation à rentrer dans une résurrection. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes dans un contexte. Regardez ce qu'on nous dit. Que regardez le niveau de destruction. Le Gaza est venu, il a détruit, il est parti. Nous savons que il y a des gens très mal intentionnés qui n'ont eu qu'envie de pouvoir se polluer. Peu importe, mes amis, notre responsabilité, ce n'est pas de nourrir la haine. Notre responsabilité, c'est de dire où est l'Éternel notre Dieu. Où est l'Éternel, le Dieu du Gabon, qui a inspiré l'hymne national? Oui, Gabon, en fait, tu dois connaître tes temps de sort. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je dis? Oh non, vous ne m'avez pas saisi. Je veux enseigner sur l'hymne national. Vous comprendrez que les vers qui composent cet hymne est une prophétie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais bref, je ne veux pas être simplement ethnique. Je veux parler aux chrétiens. Est-ce que vous comprenez un peu? Le rôle que vous avez, le rôle que nous avons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que les gens pensent,
La Bible dit que Dieu, il blesse, il guérit. Il fait mourir, mais il ramène à la vie. Est-ce que quelqu'un, les gens qui pensent qu'ils peuvent détruire quelque chose, tant qu'il y a encore un peu de vie, il y a de l'espoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons vu ici, et il dit tout ça là, ça a duré combien de générations? 4 générations. Hein? 4 générations. Vous savez, les blancs sont venus, ils ont pillé. Ils sont revenus sous la forme de la colonisation. Ils ont pillé. Et puis, ils ont masqué politiquement sous la forme de la néocolonisation. Ils ont pillé. Et ensuite, ils sont revenus sous la forme de France-Afrique. Ils ont pillé. Mais le Gabon, il y a encore des richesses. Oh, vous ne m'avez pas saisi. Oh, il dit, jette ton or. Jette ton or devant l'Éternel. L'Éternel sera ton or. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu entres dans un niveau où maintenant Dieu devient ton or, tu n'as rien perdu du tout. Je dis bien, tu n'as perdu aucune année. Tu n'as perdu aucune richesse. Tu n'as perdu aucun bien. Car l'Éternel peut te faire ramener ce que tu penses avoir perdu. Il dit que ces 4 générations, quand vous les mettez ensemble, il dit, ce que tu vois, parle à tes enfants, que tes enfants parlent à leurs enfants et que les enfants de tes enfants le disent à leurs enfants, à peu près 4 générations. Si nous prenons peut-être des générations de 50 ans, nous avons à peu près 200 ans. Est-ce que vous me suivez un instant? Mais c'est pas ce qui empêche Dieu. Alléluia. Et puis à un moment donné, il dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. La réponse de Dieu, c'est son esprit. Est-ce que vous me suivez un instant? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et il dit, je vous remplacerai. Finalement, je lisais très mal. Je lisais chaque fois, je vous donnerai. Mais le sens étymologique, c'est que je vous remplacerai. Remplacer veut dire, comme cette bouteille est enlevée, Dieu remplace une autre bouteille, pas moins que celle qui est partie, peut-être meilleure que la première. Et ensuite, non seulement que Dieu remplace, la bonne nouvelle, c'est qu'il tient compte de nombre d'années. Ça veut dire que s'il te reste encore 30 ans alors que tu as perdu 200 ans, il est obligé de faire en sorte qu'une année corresponde. Alléluia. Au nombre d'années qu'il faut quand on multiplie par le reste des jours qui te restent encore à vivre, chaque année, au lieu de te produire 50, elle peut produire 100. Oh, vous avez raté de dire amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien, parce que vous avez l'impression de ne pas comprendre. Quand on dit que Dieu, quand il a promis, maintenant je commence à conclure. Il y a une dimension que vous devrez savoir de la Pentecôte qui est une dimension nationale. La première nation concernée, c'est l'Église. La première nation, c'est l'Église. Et puis l'Église, en tant que nation sainte, affecte la nation dans laquelle elle est. Est-ce que vous me suivez un instant? Alléluia. C'est pourquoi, en fait, quand on parle de repentance, suivez-moi bien. La repentance est échelonnée. Il y a une repentance qui est une dimension pneumatologique qui touche les païens,
pas pour les convertir en tant que chrétiens, mais pour les amener à une conscience du bien. Tous ne seront pas chrétiens à la tête d'une nation, mais ils peuvent être influencés par la conscience nationale et servir Dieu comme étant un serviteur de Dieu. Servir la nation comme étant un serviteur de Dieu. De toutes les façons, Cyrus dans la Bible n'a jamais été juif, ni enfant de Dieu, ni quelqu'un de l'Alliance. Mais Dieu l'a appelé mon serviteur à cause de son plan. Quel était le plan de Dieu? C'est de faire sortir Israël de la captivité en influençant la conscience de Cyrus. Qu'est-ce que Cyrus a fait? Il leur a donné tous les moyens loyaux, les décrets qu'il fallait pour avoir du bois partout où il devrait passer. Il a libéré les richesses entre les mains des Juifs. Il leur a accordé toutes les faveurs et il leur a dit, allez-y bâtir le temple de votre Dieu. Ceux qui devraient s'opposer à eux, s'opposaient aussi à qui? À Cyrus, qui était le roi, en fait, des rois à cette époque-là. Il est devenu serviteur de Dieu pour accompagner le peuple de Dieu dans le plan de Dieu. Merci de dire amen encore. Je suis en train de prophétiser. En cette Pentecôte, tu trouveras des Cyrus sur ta voie. Des gens qui ne sont pas chrétiens, mais que Dieu va illuminer la conscience. Il va réveiller la conscience des gens qui doivent t'accompagner dans le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu auras un franc-maçon, mais qui servira à l'Éternel. Il verra sur toi une onction jamais pareille. Joseph n'a jamais voulu convertir Pharaon, mais Pharaon a vu en Joseph quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu. Et il lui a donné toute la gestion. Je sens les choses quand je parle. L'Éternel change la donne. Maintenant, vous allez rencontrer ces francs-maçons, ces rosicriciens, ces sorciers. Au lieu de vous combattre, ils vont vous accompagner dans le plan de Dieu. C'est la Pentecôte. Quand c'est la Pentecôte, c'est le temps de la récolte. Tu dois récolter ce que tu as semé. Peu importe l'endroit, même s'ils sont plusieurs, Daniel était seul au milieu de l'assemblée des sorciers, au milieu de l'assemblée de tous ceux qui étaient magiciens. Mais il n'en avait pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu pouvait l'établir au-dessus de ces gens-là. Laisse-moi te dire, ce n'est plus à toi de combattre. La Bible dit, si quelqu'un est favorable à Dieu, il trouvera également tout ce qu'il faut. La Bible dit, c'est clair. Lorsque Dieu approuve, je voulais dire, les voies d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose. Il dispose. Tu as longtemps été combattu par des sorciers. Il va les disposer pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Tu ne vas plus dire, oh non, ici il y a des sorciers. Non, il va t'établir. Tu seras leur chef. Quand il y aura des situations difficiles, tu seras le Daniel de ton quartier, le Daniel de ta famille. En sortant de cette onction, je ne sais pas si quelqu'un parle, quand tu vas établir ton commerce, même ceux qui combattaient avant, ils vont être obligés de coopérer. Dieu, par le don, il n'y a pas que, oh voilà, non, c'est vrai qu'il y a des magiciens, c'est vrai qu'il y a tous ces sorciers, mais cette Pentecôte est une Pentecôte particulière. L'onction qui descend sur toi est une onction particulière. Pharaon, à son époque, avait 2000 dieux, mais on dit plus de 2000 dieux. Chaque chose pour lui, c'était un dieu. Le soleil était dieu pour lui, les crocodiles et tout. Il avait près de 2000 dieux. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'avait jamais, mais jamais au grand jamais, il a rencontré quelqu'un
qui vient avec une autre puissance que celle qu'il adore. Quand Joseph est atterri, my God, un enfant de 30 ans qui dit à ses frères, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Il m'a établi comme père des pharaons. Je sens l'onction de paternité descendre sur quelqu'un. Oui, l'onction de paternité descendre sur quelqu'un. Dieu va t'établir père de plusieurs. Peu importe ce qu'ils sont, peu importe ton âge, mais quand la grâce de Dieu descend sur toi, même les francs-maçons vont te servir. Oh, ya, 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 ya. La Bible dit, vous sucerez les mamelles des rois. Est-ce que je peux encore parler ce matin? Oui, le temps est arrivé où certains ministres de la République viendront et te solliciteront. L'Église, il faut que tu comprennes que le manteau, cette fois-ci, de cette Pentecôte, ce n'est pas pour diviser, mais c'est pour fédérer. Mais dans la différence, ça ne veut pas dire que nous allons faire le compromis. Non, ils connaîtront que l'Éternel est Dieu. Et ils diront, révérend Xavier, nous voulons apporter notre contribution. Oui, à ce moment-là, l'Éternel Dieu permettra quelque chose. Laisse-moi prophétiser que même ton patron qui semble être le plus sorcier, l'onction dans ta vie amènera les faveurs. Néhémie a construit, écoutez-moi bien, Néhémie a construit les murailles de Jérusalem lorsqu'il a eu les faveurs du roi. Il n'a pas allé chercher, mais il a prié et Dieu a disposé toutes choses. Le temps est arrivé où même les faveurs des hommes les plus redoutables dans la méchanceté, tu les auras. Où les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Je suis en train de déclarer la nouvelle dimension de l'Église. Les richesses t'accompagneront. La grâce de Dieu t'accompagnera. C'est le temps où Dieu te prend de la fumée, de la poussière, pour te faire asseoir parmi les grands. Notre abnégation, c'est de rechercher l'onction de Dieu. Notre objectif, c'est d'être revêtu de la puissance d'en haut. Jésus, même l'intendant, la femme de l'intendant, suivait Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps que tes ennemis deviennent pour toi, non des ennemis qui te combattent pour te détruire, mais des ennemis qui entrent dans le plan de Dieu. Dieu est plus que ton ennemi. Quand il est descendu en Égypte, alors qu'il y avait le décret du roi pour détruire tout enfant qui naissait avec le plan de Dieu. Mais Dieu a dit, l'ennemi servira son plan. Moïse, qu'on voulait détruire, a grandi dans le palais du roi. Quand Dieu dispose tes ennemis, il fait comme Daniel dans la fosse au lion. Le lion voit la personne, mais il est incapable de dévorer Daniel. Tu es le Daniel des temps modernes. Tes ennemis ne vont pas te dévorer, mais ils vont respecter le plan de Dieu dans ta vie. Quand cette Pentecôte, que ton visage soit comme celui d'un fils de Dieu, que les jougs tombent et que tu vives comme celui que Dieu a décidé de célébrer. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Kereboshaya mama. Rakatarabosha. Non, je prie Dieu qu'il réduise le nombre de nos ennemis à cet instant de son plan. Que nos ennemis deviennent des serviteurs. Sois béni ma fille, sois béni. Je dis que tes ennemis deviennent des serviteurs du plan de Dieu. Je dis que tes ennemis deviennent des serviteurs du plan de Dieu. C'est le temps où Pharaon respecte l'onction de Joseph. C'est le temps où Nebuchadnezzar respecte l'onction de Daniel. C'est le temps où le feu respecte l'onction des trois compagnons de Daniel.
Dieu me dit de te dire, il t'établit aujourd'hui. Il t'établit aujourd'hui sur les royaumes. Il t'établit afin qu'on te respecte, que tu retrouves ta dignité. Au son de ma voix, il est en train de oindre. Laissez les gens, je sens des gens qui sont en train d'être oint à l'instant où je parle. Il brise le joug et que les prophètes se lèvent en armée. Ah, oh, ils t'ont combattu, ils te célébreront. Ils ont combattu Isaac, ils sont allés faire allégeance à Isaac. Ils ont reconnu que l'Éternel était avec lui. Que le monde recherche ce que tu as. Oh. Lorsque le Dieu des esprits de prophètes est là, Rakatanderebo Shayama Mama Mama Mama, tu vas commencer le commerce avec l'aide des gens que tu considérais comme des ennemis. C'est un ennemi qui parlera en bien de toi, croyant te faire du mal, mais il est en train d'accompagner le plan de Dieu. L'onction de Dieu, quand elle descend, le don de Dieu restaure. Alléluia. L'onction de Dieu est en train d'opérer. 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 L'onction du Saint-Esprit. Je déclare que Dieu va vous ouvrir des portes. Qu'il y ait encore plus parmi vous qui soient nommés à des postes importants de l'administration publique. Il en sera ainsi, 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 ainsi dit l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Jeune homme, viens, 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 viens ici. Je te vois monter encore plus fort. Je n'ai pas dit de te mettre à genoux. Tu vas monter fort. Ça va être le test d'un jour qui a été brisé. Vite fait et très jeune, le Seigneur t'ouvrira les portes. Il a vu ton cœur. L'onction qui est sur toi est étonnante. Et tu ne le savais pas. C'est une onction qui est comme le palmier dans la maison de Dieu, qui croît comme un cèdre qui atteint des sommets. Ainsi, Dieu m'a dit de te dire que par toi, dans ta quête de Dieu, il va faire énormément de choses. Cette onction va affecter également toute la famille. Et les bases d'opposition, des mauvaises fondations qui étaient là, je les vois être explosées par la puissance de Dieu. Ta percée est là. Dieu te bénit en ce jour. Il te bénit en ce jour. Te bénis en ce jour. Et j'entends, tu ne manqueras de rien à cet instant. Laissez-le là. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, prier un instant là?
Levons-nous dans sa présence. Je vois Bethany Port-Gentil comme une haute montagne et qui domine toutes les autres montagnes. Et l'Esprit me dit, il fait prendre conscience plusieurs. Il y a des gens où l'Esprit lui-même viendra dans des visions nocturnes. Pendant que tu dors, il te dira, lève-toi, voici ce à quoi je t'appelle. Des gens qui vont entreprendre. Car je vois comme si plusieurs avaient des mains pavées d'or. Comme si l'or était sur vos mains. Une, deux, trois personnes. Recevez au nom de Jésus. Il y a de l'or sur vos mains. Ressentez cela. Quelques-uns parmi vous, vous avez été combattus sur le plan financier. C'est juste parce que vous portez cette grâce. Recevez au nom de Jésus-Christ Nazareth. Plus jamais l'ennemi détruira l'œuvre de vos mains. Plus jamais. Plus jamais. Une, deux personnes. L'Esprit me dit que ce que je viens de dire, il vous donne le témoignage parce que même en vision, vous avez vu cette image de main avec de l'or, de main avec de l'or. Alléluia. Ah, l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit est une très bonne chose. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Remercie le Seigneur. Commence à l'exalter. Remercie le Seigneur. Remercie-le. 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 Il y a une conscience de Dieu qui s'élève dans cette assemblée. J'en viens maintenant. J'en viens maintenant aux percées, aux nominations, aux promotions. Les promotions sont multiples. Il y a des gens. Vous allez accéder à une autre dimension de votre spiritualité. Vous y êtes. Au moment où je parle, l'Esprit de Dieu vous introduit dans cette dimension-là. Et je demande à cet instant, au moment où il t'introduit dans cette dimension, je demande au Père, au nom de Jésus, que l'Esprit opère, nom de Jésus, nom de Jésus-Christ de Nazareth, nom de Jésus-Christ de Nazareth, nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bakataka terebosha, rekenamayama sokurobosha. Reketerebo ya bababa, rakaterebo saka, rende keterebo, rana katarabosh, reketerebo,
Eterebo. Oh Rabakata. J'entends 16 dans mon esprit. 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 Personnes à cet instant, au son de ma voix, vous recevez l'huile sainte de Dieu. Au nom de Jésus, recevez cette grâce. Tous ceux qui ont été localisés par l'Esprit de Dieu, aucune porte ne résistera devant vous. Aucune opposition ne sera possible. Car l'Éternel me dit de vous dire que vous porterez la chose jusqu'à ce qu'elle soit manifeste devant plusieurs. Devant plusieurs. L'onction augmente maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. L'Éternel vient libérer. S'il y a des gens dans la situation dure depuis 16 ans, j'ai entendu ce chiffre. S'il y a des gens dans la situation dure depuis 16 ans, l'onction de Dieu brise le joug. Ceux qui ont à présent 16 ans d'âge, vous aussi, que le Seigneur vienne vous oindre parce que vous allez porter le fanion de l'évangile dans cette nation et partout dans les nations. Que cette grâce vous visite. Si votre situation perdure depuis 16 ans, le joug est brisé, c'est terminé. Si vous avez aussi l'âge de 16 ans, ou vous êtes né le 16 d'un certain mois, au moment où je suis en train de parler, tous ceux qui sont concernés par ce chiffre-là, vous allez gouverner. Vous allez gouverner. Vous irez encore plus loin. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Lèvons nos mains. Lève ta main le plus haut possible. Je dis, touche maintenant la grâce de Dieu. Touche-la par tes mains. Tu n'as jamais été si loin. Alors que tu lèves tes mains et tes regards portés sur Dieu. Alors que tu ressentes sur tes mains une présence inhabituelle de l'onction de Dieu. La Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires dans les mains des apôtres. Alors que tes mains sont levées, que Dieu dépose des miracles. Je dis que Dieu dépose des miracles. Ça va être fort. Allez, ça va être fort. Je dis encore que Dieu dépose des miracles. Je vois des ministères descendre sur vos mains. Des guérisons transiter sur vos mains. Et vous commencez à ressentir sur vos mains une présence de Dieu. Quand vous imposerez les mains, eh bien, vous guérirez les malades. Et oui, ça commence. C'est sur vos mains. C'est sur vos mains.
des attaques que vous avez reçues sur les mains, Dieu efface les stigmates. Et alors, que le feu de l'Esprit de Dieu arrive sur vos mains. Vous ressentez cela maintenant. Vous ressentez cette présence. Le poids de la présence, de la gloire de Dieu, vous ressentez sur vos mains maintenant. Oh Éternel, merci. Éternel, merci. Voici l'onction de Dieu qui vient balayer toute forme de malédiction. Et il dépose les miracles, il dépose la grâce, il dépose la gloire, il dépose. Nous sommes dans sa présence. Et la présence de Dieu est capable de tout, capable de tout, capable de tout. Aidez-les, aidez-les. Maintenant, vous recevez au nom de Jésus, au nom de Jésus, que vous ressentez votre appel. Vous ressentez les choses au nom puissant de Jésus. Il y a des gens au moment où je parle. La puissance de Dieu est devenue telle dans tes mains. Tu ressens ça. Tu dis, je n'ai jamais ressenti ça. Elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Posez maintenant vos mains sur vos têtes. Déclarez ce que l'Esprit dit. Dans votre esprit, alors que vous posez les mains là, avec ces miracles, ces choses que Dieu a déposées, alors parlez sur votre vie, déclarez des choses, parlez, dites, poussez par l'esprit, commence à parler, né. Déclare dans ta vie, déclare dans ta vie. Déclare dans ta vie. Déclare dans ta vie que l'ivresse de l'Esprit de Dieu, que tout ce qui ne parle pas en langue, que l'Esprit vous donne de parler en langue et ouvre ta bouche qu'il mette ses paroles. Alors tous ensemble, levons nos voix maintenant, prions, prions en langue. Si tu n'as jamais parlé dans les langues des anges, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Les langues viennent. Elles viennent. L'Esprit te donne cette capacité. À l'instant, reçois. Parle encore, déclare des choses. Alors remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, quelle grâce, Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Que Dieu fasse quelque chose. Merci Seigneur. Merci pour l'appel de Dieu. Merci pour l'appel de Dieu. Merci pour l'appel de Dieu. Oh, la patata. Terminez les humiliations. Les gens reçoivent par la grâce. Que Dieu passe. Merci Jésus.
aller très loin. Que Dieu se souvienne de ta loyauté. Alléluia. Donnez-moi l'huile. Je vais terminer. Pasteur Alain vient. Paul a dit, je suis venu pour vous communiquer quelques dons. Pasteur Miguel vient. Je me lève vraiment. Le Seigneur t'amène dans une dimension autre, les choses de l'esprit. Le temps va arriver où, quand tu rentreras dans la prière, tu ne sauras même pas comment le temps est passé. Pendant que je suis devant toi, le Saint-Esprit est en train de saisir encore des gens pour communiquer la même onction. Tu vas voir tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a une présence forte ici. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Tu as vu comment l'Esprit est en train de saisir les gens pour que ton entendement soit aiguisé. Parce que Dieu te oint. Dieu, tu utiliseras comme Joseph dans le ministère et dans le pays. Je te vois encore monter. L'Esprit de Dieu s'en est réjoui. Veille sur ton cœur et tes pensées. Voici la grâce. Touche. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui, dans 2 ans, je dis bien dans 2 ans, vont connaître des percées inouïes. Alors que je veux prier pour sa servante, l'Esprit de Dieu aussi va vous saisir. Parce que l'Éternel est en train d'élever les gens. Il va élever les gens encore davantage. Parce qu'il y a un plan. Père, merci Seigneur pour cette grâce qui va consister à servir Dieu, mais aussi à servir la nation. Touche! Et que tous ceux qui sont appelés à servir la nation, nom de Jésus-Christ Nazareth, recevez! Nom de Jésus! Plus rien ne vous arrêtera. Nul ne résistera devant l'onction qui a été déposée sur vous à cet instant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Demain, s'il vous plaît, venez avec des dispositions. Demain, c'est la retraite. Ne manquez pas. Nous parlerons de l'Esprit. Que j'appelle Annie, viens. Paul, quelle onction. Madame Djengue, où? Alléluia. Merci. Dev, viens. Esprit de Dieu souffle. Une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Vous avez reçu une joie subite. Subitement, votre esprit est ravi.
Alors, je vais te dire qu'il y a une manifestation du don de Dieu. Du don de Dieu. Tu as senti une joie. Mais Dieu me dit de te dire, c'est une manifestation du don de prophétie. Tu as ressenti la joie. C'est la présence du Saint-Esprit qui est descendue sur toi. Oh Dieu, souffle encore ton esprit. Tekerebo. Ramakate namayamosa. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur, le Dieu de paix, efface les inquiétudes. Au nom de Jésus, sois entièrement guéri. Au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Père, dans ce temps de la fin, nous avons besoin des prophètes qui entendent, qui voient, qui sentent. Merci d'amplifier cette grâce. Nom de Jésus, dans ta maison et dans ta présence. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Portez cette grâce, portez-la, portez-la. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Allons adorer, adorer le Seigneur. Adorons-le, adorons-le. Alléluia. Adorons le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ça va aller. Ça ira. Merci Seigneur. Ça ira. Ça ira. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On porte l'onction comme on porte le manteau. Oh,
gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de son peuple. Seigneur, nous voulons apprécier ton œuvre au milieu de nous à cet instant. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton œuvre. Merci pour l'action du Saint-Esprit au milieu de ton peuple. Seigneur, ta main est ici. La main de l'Éternel est au milieu de nous. La main de l'Éternel est agissante au milieu de nous. Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dois juste encore sensibiliser par rapport à demain. Venons avec des dispositions et des attentes beaucoup plus grandes et beaucoup plus importantes. Le Saint-Esprit est en train de faire des œuvres extraordinaires au milieu de nous. Demain, soyons à l'heure des 9h. Venons avec des attentes. Venons avec des dispositions de recevoir. Dieu va davantage se manifester. La main de l'Éternel va davantage œuvrer au milieu du peuple, au milieu du peuple que nous sommes. Venons assoiffés. Venons assoiffés demain. Et Dieu fera tel qu'il a résolu, tel qu'il a montré à son oint, il le fera. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce. Quelle action puissante. L'esprit. Je voudrais